Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un plat vietnamien facile à faire. C'est le poulet séché. C'est comme le rillette de poulet mais séché. Et vous avez aussi des sortes de bœuf ou porc grillé séché aussi. Bon, on va faire le poulet. Pour faire ça, j'ai ici 220 g de poulet, quelques gousses d'ail, un peu de l'huile, du sel, du poivre, de sauce au poisson et du sucre. De l'ail, je vais écraser. Pour 200 grammes, je vais utiliser 4 cuillères à soupe de sauce au poisson. Si vous mettez moins de sauce au poisson, vous mettez plus du sel. Un peu du sel, du poivre. Une cuillère à soupe de sucre. J'ai utilisé ici, c'est l'aiguillette de poulet. Un peu de l'huile dans la poêle et de l'ail. Mettre la viande dans la poêle, baisser le feu. Vous voyez, le poulet, il est cuit l'extérieur, mais l'intérieur n'a pas cuit. Il y a des jus de poulet. C'est pas grave, on va fermer avec la couvercle. Et on va faire cuire le poulet jusqu'à un moment le jus qui descend et le poulet cuit et sec. Je mets le feu au niveau 2, niveau un peu plus de minimum. Quand la viande est cuite à l'extérieur, maintenant on peut enlever la couverture et on va mettre le feu plus fort pour faire partir tout le jus, pour le jus qui va rentrer dans la viande. Une fois le jus dilué, on va plus. On va laisser refroidir un peu le poulet, mais pas trop refroidir. Hein. Et puis on va écarter la viande en fine. Je vais écarter la chair de viande en petits morceaux, en fine, à l'aide de la baguette, de la fourchette ou à la main. Mais il faut pas faire casser la viande. Hein. Écarter suivant leur fil. Je vais écraser le poulet. Avec ce morceau par coulée, essayez de détacher le poulet en fine. J'ai utilisé un poêle sec, un poêle téflon sans l'huile et je vais faire sécher les rillettes de poulet. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter du sel, du poivre ou du sucre à votre goût. Voilà, la rillette est prête. Bon appétit, ciao.